Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un corrigé complet hein, de l'épreuve de mathématiques de la session de rattrapage 2020 section sciences maths. Alors, accompagné des sujets, hein, des deux sujets en arabe et en français, mais le corrigé, je l'ai fait seulement en français, vu que la plupart des élèves étudient les maths en français. Donc, je vous laisse lire donc attentivement le corrigé, comparer vos résultats. Puis après, on aura l'occasion de reprendre cette épreuve pour la discuter, hein. Voilà, donc pour les élèves de première bac, donc qu'elles gardent ce corrigé pour l'an prochain, d'accord? Pour le chercher lorsqu'ils auront terminé leur programme. J'ai à remarquer quelque chose ici dans cette épreuve. Alors pour l'arithmétique, il faut comprendre que P et Q sont des nombres positifs, hein, d'accord? Pour l'exercice sur les structures, il faut comprendre que phi, c'est une application de C-étoile vers E. Donc, il sera défini pour tout couple XY de R2 hein, privé du couple 0,0, hein, etc. Voilà. Pour l'exercice sur les nombres complexes, alors là, il y a une petite erreur hein, que j'ai rectifiée au niveau de la dernière question, parce que parler de la droite OP, il faut que le point O soit différent de P, et parler de la droite QR, il faut que la droite Q soit différente du point, il faut que le point Q soit différent du point R. Si vous prenez M égale 1, donc vous aurez O égale P, vous aurez Q égale R, on ne peut pas parler des droites, d'accord, des droites OP et QR, d'accord. Donc, il faut considérer que M est différent de 1 pour pouvoir parler des droites OP et QR. Et enfin, pour l'exercice d'analyse, vu qu'on n'est pas autorisé à utiliser la machine calculatrice, il y a un petit problème au niveau du tracé de la courbe. Hein, parce que alpha, il faut avoir des informations sur alpha pour tracer le point d'abscisse alpha. D'accord? Même les droites, les tangentes, les demi-tangentes au point d'abscisse 0 et d'abscisse 1 ne suffisent pas. D'accord? D'ailleurs, la demi-tangente au point d'abscisse 1 nécessite aussi des informations sur ln2. Hein? On n'a pas de machine calculatrice. Hein? Il faut connaître, il faut savoir que 0,7, c'est une valeur approchée de ln2 par excès à 10 puissance moins 1. D'accord? Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.